On nous a vendu du rêve, nous on veut, nous on veut, on veut Bosa. On nous a vendu du rêve, nous on veut, nous on veut, on veut Bosa. Je veux aller pour une vie meilleure, loin de ma famille. Affronter le pire, je m'y attendais pas. Dommage pour moi, je devais rester là-bas. Dans mon pays, pour exercer un business. Oh, maman m'avait parlé, j'ai pas écouté. Je veux pas que tu partes. Regarde, tu as déjà une bonne vie ici. Tu as un bon petit boulot, tu m'as moi à tes côtés. Mais je comprends pas pour quelle raison tu vas à tout prix aller en Europe. Franchement. Chérie, hein? Quand j'ai quitté mon pays, c'était pour aller en Europe. Afin d'avoir une meilleure vie. Hein? Donc, bébé, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Laisse-moi aller chercher notre avenir. D'accord? Déjà, je t'ai demandé de me suivre, de venir ou pas. Tu as refusé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Bon, quand cela ne tienne, bébé, hein? Nous allons nous voir au pays. Inch'Allah. Mais chérie, l'Europe, c'est pas le paradis. Déjà, le but d'aller en Europe, c'est de se faire de l'argent. Mais ici, notre vie est bien. Déjà avec tes 4000 euros que tu vas payer ton Bosa, plus le mien, ça nous fait 8000 euros. Tu vois, avec cette somme d'argent, on peut réaliser quelque chose de grandiose au pays. Je dis, qui allait au pays? Moi? Non bébé, la honte de ça au quartier. Hein? Et déjà, si j'arrive au pays avec de l'argent, ma mère doit me régner. Puisque toutes ses copines savent que son fils est en Europe. Non, mon bébé, je suis vraiment désolé. Hein? Je ne peux plus rentrer. Je ne peux plus faire demi-tour. Je vais seulement avancer. Donc, chérie, hein? Comprends-moi. Je ne peux plus retourner au pays. Hein? La vie, c'est devant. Donc, c'est à cause de ce que vont dire tes parents ou tes amis du quartier que tu préfères aller te sacrifier à la Méditerranée. Franchement parlant, il y a certains parents qui sont responsables de ce que vivent leurs enfants en aventure. Gros de pression. Bon bébé, hein, il faut que je parte déjà. Puisque le connaissement m'attend. Hein? Et surtout, pas derrière. Tu prends soin de toi. Et sache que je ne vais jamais t'oublier. Hein? Tu es ma vie. D'accord? Bon bisous. Ok, tu prends soin de toi. Dès que tu es en Cramben, tu m'appelles. D'accord, t'inquiète bébé. Hein? Tu seras la première personne que je vais appeler. Pour ça, sois tranquille. Hein? Et prends soin de toi. Hein? D'accord. D'accord. Chérie, tu n'as pas appris que ça fait 2 semaines, Eric est parti pour Bosa. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons même pas de ses nouvelles. Comment ça, on n'a pas ses nouvelles? Et sa femme? Ils sont partis ensemble? Sa femme est là. On m'a dit qu'elle a refusé de partir, en fait. C'est même l'Europe de quoi? Tu peux voir comme ça que les Zodiacs a disparu comme plein d'autres.
Vraiment. Et quand les zodiacs se perdent dans l'eau, les familles restent dans l'espoir de un jour retrouver les enfants ou de les revoir. C'est vraiment la partie la plus difficile. Très difficile. Perdre un être sans jamais voir le corps. Oh. Vraiment. Je vais finir de manger. Je vais aller voir sa femme. Puisqu'elle a vraiment besoin de notre soutien. Chérie, tu n'as rien mangé? Vraiment, ça m'a coupé l'appétit. Je vais aller rapidement voir sa femme. Pour essayer de la réconforter. Ok, vas-y. Et surtout, s'il y a du nouveau, appelle-moi. Salut, chérie. Ok. Au revoir. Merci. Nanou, qu'est-ce qui se passe? Je te trouve trop pensif là et inquiète. Tu as un problème. Je ne sais pas mon gars. Il me manque gros. Et depuis 2 semaines qu'il est parti, je n'ai pas de nouvelles. Il m'a appelé. Pourtant, il avait promis que dès son arrivée, il devait m'appeler. Mais... Ma chérie, il t'a toujours dit de ne pas faire confiance aux hommes de l'aventure. Quand ils vivent avec toi, ils montrent qu'ils t'aiment jusqu'à. Mais dès qu'ils traversent la Méditerranée, c'est fini, t'as oublié. Donc oublie-le aussi. Non, pas mon gars. Et il ne peut pas me faire ça. Et d'ailleurs, comment ça se fait que tu... Donc tu veux dire que à peine 2 semaines, il m'a oublié. Nous, on s'aime beaucoup. Il ne peut pas faire ça. Attends, dis-moi, si vous vous aimez autant là, pourquoi vous n'êtes pas partis ensemble? C'est moi qui ai refusé. Je l'ai même convaincu, bon, mais Ben était dans sa tête. En tout cas, il faut toujours garder espoir. C'est qui est sûr doit réagir un jour. Il faut continuer à l'appeler. D'accord? Ok, c'est pas fermé. Eke, Jojo, qui te pousse à ce que tu arrives en courant? Il y a encore roulement dans le pays, si ou bien? Nanou, c'est toi qui suis venu voir. Tu viens voir Nanou pourquoi? Tu la cherches pourquoi? Si c'est pour venir manger, s'il n'y a pas la nourriture ici, allez, sors! Sors! C'est à propos d'Eric. Hein? C'est à propos d'Eric. Il a appelé. Il veut me parler. Dieu va arrêter pas. Dieu merci, ça veut dire que mon bébé ne pouvait pas m'oublier. Wallahi! Appelle le nom, dis que tu es avec moi. Vite, vite, vite. Appelle.
Le Zodiac a disparu, ça fait 2 semaines. Ils sont incouvables. Sûrement ils sont morts. 2 semaines, c'est trop. Donc, ils savaient qu'ils sont morts. Comment ça, ils sont morts? Je ne sais quoi te dire. Je suis dépassé. Comment ça? Attends. Qui là-bas? Attends. Il faut qu'elle respire de l'air. Ferme ta bouche. Tu t'es obligé de venir me raconter tout ça. Tout ça, c'était ta faute. J'ai fait quoi? Les autres qu'elle a perdu et puis quoi? Hein? On les a envoyés où? Allez, mets-toi dehors. J'ai fait quoi de mal à ça? Je voulais juste les informer. Passe-moi. S'il est parti là-bas, je vais venir. Mets-toi. Non, moi, c'est ça.